Bonsoir à vous. Au nom de mes collègues du Conseil d'administration, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Dautré. Je me présente, Patricia Rinfret, présidente de votre Conseil d'administration de la Caisse, et ce soir, j'agirai comme présidente d'Assemblée. Merci d'être avec nous. Voici les gens qui m'accompagnent à l'animation ou qui sont en soutien. Madame Manon Servant, vice-présidente du Conseil d'administration. M. Paulin-Antoine Nollet, président du comité de mise en candidature, qui présentera son rapport à l'issue de l'appel de candidature. M. Éric Fortier, directeur général de la Caisse. M. Yvon Mousseau, secrétaire du conseil d'administration, qui sera assisté dans ses fonctions par Mme Virginie Charon, adjointe à la direction générale. Ces personnes m'assisteront afin que la présente assemblée se déroule bien et dans le respect de nos encadrements. Elles verront notamment me faire part de vos questions, commentaires et propositions. Cette formule d'assemblée à distance implique que vous pourrez voter en direct sur certains sujets, alors que d'autres sujets feront l'objet d'une période de votation en différé qui aura lieu au cours des 4 prochains jours. C'est lors de cette période que vous pourrez vous prononcer sur la répartition des excédents annuels, les ristournes et pour l'élection des membres du conseil d'administration. Nous vous guiderons au fur et à mesure du déroulement de l'assemblée. Voici quelques précisions importantes sur les membres. Dans le cadre des assemblées générales des caisses, seul un membre de plein droit de la caisse, admis depuis au moins 90 jours, pourra proposer ou appuyer une proposition et exercer son droit de vote en direct. Ce membre est celui qui respecte également les conditions suivantes. Est toute personne physique, âgée d'au moins 18 ans et qui réside, est domiciliée ou travaille au Québec. Est une personne morale ou une société, est un membre réadmis membre de plein droit. Comme à chaque année lors de la période des assemblées générales annuelles des caisses, M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement des Jardins, souhaite vous livrer un message important. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier d'assister à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse. C'est un moment important de notre vie coopérative. En 2021, l'engagement de notre grande équipe, notre solidité financière et notre envergure nous ont permis d'offrir un soutien proactif à nos membres et clients dans le contexte de la crise sanitaire. Même si cette situation a mis en évidence certains défis que nous aurons à relever collectivement, elle a aussi mis en lumière toute la pertinence du modèle coopératif et de ses valeurs d'entraide, d'égalité et de solidarité. En plus de nos nombreuses mesures d'allègement, nous avons aussi appuyé sur l'accélérateur en matière d'évolution technologique. En effet, la pandémie a propulsé l'utilisation des technologies dans toutes les sphères de la société. Et comme Desjardins est la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord, nous avons l'ambition d'être un leader à ce sujet. Ultimement, nous souhaitons mettre la technologie au service de nos membres et clients afin de leur offrir une expérience encore plus fluide et plus personnalisée sur tous nos canaux. Nous sommes donc plus que jamais à l'écoute des besoins de nos membres et clients, et c'est pourquoi nous avons également déployé en 2021 plusieurs initiatives en lien avec le développement durable. Une ambitieuse stratégie climatique, une offre de produits responsables rehaussée et de nombreux engagements internationaux afin de répondre à l'urgence climatique. Je suis très fier des 2500 membres des conseils d'administration et des 53 000 employés du Mouvement Desjardins qui mettent tout en œuvre pour vous accompagner. Maintenant, c'est le moment de faire entendre votre voix. Aujourd'hui, vous serez appelé à voter sur les propositions qui porteront sur l'élection des administrateurs et les ristournes. D'ailleurs, je tiens à apporter une précision au sujet des ristournes. Nous avons deux nouveautés. Premièrement, nous ajoutons les volumes sur les cartes de crédit dans le calcul de la ristourne volume. Et pour les membres entreprises, nous ajoutons les assurances de dommages. Ces deux changements nous permettent de redonner encore plus cette année. Au total, pour l'ensemble du mouvement, c'est près de 440 millions de $ qui seront versés aux membres et à la collectivité en fonction de vos votes. Merci. Merci pour votre engagement envers Desjardins et bonne assemblée. À notre président qui est un fier ambassadeur de notre coopérative de services financiers. Voici maintenant quelques règles de fonctionnement.
Afin de faciliter le bon déroulement de l'Assemblée, des votes en direct et des interactions entre nous, je demande à notre secrétaire, M. Yvon Mousseau, de vous présenter les règles de fonctionnement. Merci, Mme la Présidente. D'abord, prenons quelques secondes pour parcourir votre écran. À gauche, sous la fenêtre vidéo, vous trouvez le bouton « Documents » qui vous redirigera vers le site Internet de la Caisse. Vous pourrez consulter toute la documentation en lien avec l'Assemblée à cet endroit. En bas, à gauche, vous voyez une boîte de dialogue. C'est à cet endroit que vous pourrez poser vos questions ou nous faire part de vos commentaires tout au long de l'Assemblée. En cliquant sur la boîte de dialogue, un curseur apparaîtra et clignotera. Vous pourrez alors taper le texte de votre intervention. N'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre » par la suite. Soyez rassurés, seul le représentant de la Caisse et l'équipe de soutien auront accès à votre nom, courriel et à la nature de votre intervention. Toutefois, si vous proposez ou appuyez une proposition ou si vous posez une question, la présidente vous identifiera verbalement sous votre nom. En bas, à droite, vous avez le bouton « Aide », évidemment pour obtenir de l'aide au besoin. En haut, à la droite de votre écran, vous voyez la présentation infographique à laquelle nous vous référerons tout au long de l'Assemblée. C'est aussi à cet endroit que vous pourrez, comme membre de plein droit, signifier votre volonté de proposer ou d'appuyer une proposition prévue à l'ordre du jour. Un bouton à cet effet apparaîtra au moment opportun. Lors des votes en direct, c'est également à cet endroit que vous pourrez voter pour ou contre une proposition. Au début de chaque période de vote, la question apparaîtra à l'écran. Merci beaucoup, M. Mousseau. Pour cette assemblée à distance, comme il y a la votation en direct, nous devons nommer deux scrutateurs. Je recommande alors Mme Virginie Charron, adjointe à la direction générale, ainsi que Mme Marie-Josée Lavigne, directrice développement de marché. Afin d'agir comme personne scrutatrice, étant donné qu'elles ont préalablement été familiarisées avec le processus de votation utilisé pour cette assemblée. Elles seront chargées de recueillir le résultat des votes afin que je puisse vous les communiquer. Les personnes scrutatrices s'engagent à agir en toute discrétion et à conserver le résultat du vote secret et confidentiel. Nous avons besoin d'une personne qui propose et d'une personne qui appuie. Je vous rappelle que seul un membre de plein droit peut proposer ou appuyer une proposition. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cette recommandation? Quelqu'un appuie-t-il cette proposition? Je vous informe que M. Paulin-Antoine Nollet propose d'adopter la recommandation et qu'il est appuyé par M. Marcel Gravel. Qui vote pour, qui vote contre, à vous d'appuyer sur le bouton correspondant à votre choix. De nommer Mme Marie-Josée Lavigne et Mme Virginie Charron comme personne scrutatrice est acceptée. Nous allons maintenant vous proposer l'ordre du jour. Au bénéfice de tous les membres, je demande au secrétaire du conseil d'administration, M. Yvon Mousseau, de nous présenter l'ordre du jour de notre assemblée. Voici donc la proposition d'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'assemblée. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 30 mars 2021. Point 4, rapport du conseil d'administration. Point 5, rapport sur la surveillance des règles déontologiques. Point 6, rapport annuel au 31 décembre 2021. Point 7, présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et autres engagements de la Caisse dans son milieu. Point 8, période de questions au conseil municipal, au conseil d'administration. Point 9, adoption des modifications au règlement intérieur de la Caisse et d'un règlement intérieur de rotation. Point 10, présentation des scénarios en vue de la votation pour, premièrement, l'adoption de la répartition des excédents annuels, ristourne. Deuxièmement,
l'adoption du versement de ristourne provenant de la réserve pour ristourne éventuelle, du versement de toute somme au Fonds d'aide au développement du milieu et des taux de ristourne. Pour l'élection des membres du conseil d'administration, nous aurons les points suivants. Point 11, rapport du comité de mise en candidature. Point 12, élection par acclamation. Point 13, précision sur l'exercice du droit de vote sur les propositions de partage des excédents. Puisque la période de votation se déroulera sur une période de 15 jours, elle sera suivie du point 14, résultat du vote, tirage des prix de présence et levée de l'Assemblée. Merci, M. Mousseau, pour la lecture. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cet ordre du jour? Quelqu'un appuie-t-il cette proposition? Il n'y a aucune question, Mme la Présidente. Merci. Je vous informe que M. Alain Bellumeur propose d'adopter l'ordre du jour et qu'il est appuyé par Mme Valérie Perron. Qui vote pour, qui vote contre, à vous d'appuyer sur le bouton de votre choix. Proposition d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2021 est adoptée. Je vais maintenant vous livrer le rapport du conseil d'administration. Tout d'abord, je tiens à vous présenter tous les membres du conseil d'administration qui représentent vos intérêts dans le cadre de leurs fonctions. Moi-même, Patricia Rinfret, présidente, Mme Manon Servant, vice-présidente, M. Yvon Mousseau, secrétaire, Mme Sonia Desjardins, Mme Amélie Drainville, M. Claude Lapointe, Mme Francine Lebeau, Mme Louise Lépine, Mme Nathalie Lévesque, M. Paulin-Antoine Nollet, Mme Marie-Christine Tellier, Mme Annie Thibault, ainsi que M. Martin Tremblay. Voici les principales réalisations de la dernière année et les orientations que votre caisse s'est fixée. Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif qui aide à façonner un avenir meilleur. Étant donné la persistance de la pandémie et de tous ses effets, nous avons poursuivi de nombreuses initiatives qui vous sont présentés afin de soutenir les collectivités et favoriser une reprise économique plus verte et plus inclusive. Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la nécessité d'agir sur les changements climatiques sont inscrits dans l'ADN des jardins. Voici les multiples réalisations qui démontrent clairement notre volonté d'agir. En grande première, nous avons tenu une Assemblée générale annuelle complète de façon virtuelle le mardi 30 mars 2021. La mise en place de l'authentification des membres par le biais d'accéder a permis à un nombre record de membres non seulement de se prononcer sur la ristourne, mais aussi d'élire les administrateurs de leur caisse. En effet, le nombre de membres qui ont exercé leur droit de vote a été 7 fois plus élevé qu'à la dernière Assemblée en présentiel en 2019. La flamme de nos 88 employés qui ont le cœur à l'ouvrage n'a pas fléchi. Malgré la situation qui persiste, ils ont continué à répondre présents pour vous soutenir, vous conseiller et vous épauler. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement et tous les efforts qu'ils ont déployés alors qu'ils étaient eux aussi aux prises avec les effets de la pandémie. Un merci tout spécial à M. Éric Fortier qui a su gouverner avec jugement et inspiration notre navire en eau trouble. Je tiens également à souligner l'excellent travail des membres du conseil d'administration. Enfin, merci à vous, nos 31 277 membres, pour votre fidélité. C'est en travaillant toujours dans votre intérêt que nous continuerons à nous montrer dignes de votre confiance. Voici le moment de vous présenter notre rapport sur la surveillance des règles déontologiques. J'invite M. Yvon Mousseau, président du comité d'audit et déontologie, à vous présenter le rapport. Merci, Mme la Présidente. Il me fait plaisir de vous confirmer qu'au cours du dernier exercice financier, aucune situation de conflit d'intérêts n'a été constatée. Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l'égard de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s'appliquent. Finalement, la Caisse n'a octroyé aucun contrat de fourniture de biens ou de services
à des personnes visées par le Code. Sur ce, je vous cède la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Mousseau. Nous en sommes maintenant à la présentation des faits saillants du rapport annuel de la Caisse. Avant la présentation des résultats de notre Caisse, je vous invite à écouter une courte capsule vidéo portant sur les résultats financiers du Mouvement Desjardins. Comme à chaque année, votre caisse a contribué en 2021 à la performance remarquable du Mouvement Desjardins. Les résultats financiers obtenus par notre grand mouvement témoignent de la confiance que nos quelque 7,5 millions de membres nous ont accordée. Cette confiance nous permet de faire une réelle différence auprès des gens et des collectivités grâce à la ristourne et au soutien octroyé à des projets structurants issus d'initiatives des communautés. C'est aussi ce qui nous permet, entre autres, de mettre sur pied des programmes tels le Fonds du Grand Mouvement pour soutenir le développement régional et la relance socio-économique, le Fonds C, destiné aux entreprises qui ont des projets de croissance qui permettent la création d'emplois de qualité et qui contribuent au développement économique des régions, ou encore de remettre des bourses aux membres étudiants afin de leur offrir un coup de pouce financier qui peut faire une réelle différence dans la poursuite de leurs études. Tous ensemble, nous détenons une force indéniable, un patrimoine inaliénable. Vous tous, en étant membres de votre caisse, avez participé à ces résultats remarquables du Mouvement Desjardins. Maintenant, place aux résultats de votre caisse. Votre caisse est très fière de participer à ces excellents résultats financiers. Il est d'ailleurs rassurant de constater la solidité financière de notre grand mouvement. Passons maintenant à nos propres résultats. J'invite M. Éric Fortier, notre directeur général, à vous faire part des résultats de notre caisse pour la dernière année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2021. Par la suite, il vous entretiendra au sujet de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureux de vous présenter la performance de notre caisse pour la dernière année. Encore une fois, cette année, malgré le contexte pandémique pas évident, les résultats témoignent de la confiance des membres envers notre coopérative financière et vous m'en voyez très fier. Sans plus tarder, je vous invite à visionner avec nous cette capsule vidéo expliquant nos résultats atteints en 2021. En 2021, votre caisse est demeurée bien présente à vos côtés pour répondre à l'ensemble de vos besoins financiers. Notre engagement contribue à enrichir la vie des personnes et des communautés. C'est plus de 31 277 membres qui font partie de notre grande coopérative financière. Vous êtes la source de notre motivation qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour vous offrir des solutions répondant toujours mieux à vos attentes. La Caisse est en bonne position dans son marché grâce à son volume d'affaires sous gestion de 2,50 milliards de dollars. Ce dernier est composé des éléments du bilan et hors-bilan constitués des autres composantes de Desjardins. Regardons maintenant de plus près. Il y a l'épargne et le placement qui proviennent des dépôts des membres et le financement qui résulte des prêts aux membres. Ces données témoignent de l'expertise de tous nos employés et de l'ensemble des spécialistes du Mouvement Desjardins qui contribuent à vous garantir la meilleure expérience comme membre en misant sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de service. Au terme de l'exercice financier qui a pris fin le 31 décembre 2021, votre caisse enregistre de bons résultats financiers. Débutons avec le total de l'actif qui s'élève à 1,18 milliard de dollars, ce qui représente une hausse de 8 % en comparaison avec l'année précédente. Plus précisément, l'actif total est composé de la trésorerie et des dépôts auprès d'institutions financières, du placement dans le fonds de liquidité sous gestion et les dépôts à terme, ensuite des prêts aux membres, ce qui inclut les prêts aux particuliers et aux entreprises, des placements dans la fédération, ainsi que des autres éléments d'actifs, ce qui comprend des instruments financiers dérivés et des immobilisations corporelles. Et pour terminer, un montant est attribué aux provisions pour perte de crédit.
quant au passif de la Caisse, il affiche une croissance de 7,2 % pour s'établir à 1,04 milliard de dollars. Si nous décomposons ce montant, nous y retrouvons trois éléments. Voyons tout d'abord les dépôts, qui sont constitués de l'épargne et des placements des membres particuliers, entreprises et gouvernements. Ensuite, les emprunts de votre caisse à la Fédération. Et pour terminer, les autres passifs, qui sont composés des instruments financiers dérivés, des obligations locatives, des passifs nets au titre des régimes de prestations définis et autres. Passons maintenant à l'avoir de votre coopérative qui a connu une hausse, passant à 140,7 millions de dollars, soit une variation positive de 14,3 %. Décomposons maintenant l'avoir total. Il y a d'abord le capital social, les excédents à répartir, le cumul des autres éléments du résultat global et enfin les réserves. Toujours en date du 31 décembre 2021, voici le détail de la provenance des excédents réalisés selon les types de revenus et dépenses. Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d'exploitation de 10,68 millions de dollars. Cette croissance de 28,3 % résulte d'une bonne gestion des quatre éléments suivants. Tout d'abord, le revenu net d'intérêt a diminué pour totaliser 20,02 millions de dollars. Ensuite, les autres revenus de votre caisse sont en hausse pour atteindre 7,190 millions de dollars. Poursuivons avec la dotation à la provision pour perte de crédit, qui a connu une décroissance pour s'élever à moins 0,17 millions de dollars. Et pour terminer, les frais autres que d'intérêt quant à eux ont augmenté pour s'établir à 16,69 millions de dollars. Si nous reprenons notre calcul à partir des excédents d'exploitation de 10,68 millions de dollars déjà mentionnés, de ce montant, nous devons tout d'abord additionner 6,63 millions de dollars de revenus liés au placement dans la Fédération, soustraire 3,03 millions de dollars de pertes liées à la juste valeur des instruments financiers dérivés, ce qui nous donne un total de 14,28 millions de dollars d'excédents avant impôts et ristournes aux membres. De ce montant, il faut soustraire les impôts sur les excédents qui représentent 1,38 millions de dollars, ce qui nous donne un total de 12,90 millions de dollars d'excédents avant ristourne aux membres. Montant auquel nous devons également soustraire la provision pour ristourne aux membres, qui s'élève à 2 millions de dollars, et ajouter le recouvrement d'impôts relatif aux ristournes aux membres, qui lui atteint 0,53 millions de dollars. Ce qui nous donne enfin les excédents nets de l'exercice après ristourne aux membres, avec un montant qui s'élève à 11,43 millions de dollars, en baisse comparativement aux résultats de 2020. Nos résultats témoignent de votre confiance envers la Caisse. Merci. Dans l'objectif de vous garantir la meilleure expérience membre, sachez que nous sommes plus que jamais engagés à vos côtés. Vous venez donc de prendre connaissance de la situation financière de votre caisse pour le dernier exercice terminé le 31 décembre 2021. Avez-vous des questions? Avez-vous des commentaires? La parole est maintenant à vous. Donc, il n'y a pas de commentaires, pas de questions. Il y aura toujours une période de questions aussi avec le conseil d'administration par la suite. C'est que ça pourra vous donner l'occasion de finaliser votre question. Je poursuis donc avec la présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et autres engagements de la Caisse dans son milieu. Je vais maintenant, avec cette présentation-là, vous dire qu'en 2021, c'est avec près de 400 000 $ qu'on a engagé des sommes de la Caisse sur différents projets dans notre communauté. De ce montant, 340 500 proviennent de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et 59 400 découlent du budget de dons et commandites. À l'écran, vous pouvez prendre connaissance de la répartition des sommes investies via le Fonds d'aide au développement selon les différents secteurs d'activité.
Grâce au fonds d'aide, la Caisse appuie un grand nombre d'organismes et d'institutions qui jouent un rôle essentiel auprès de la population en contribuant au développement durable de la communauté. En 2021, nous sommes fiers d'avoir remis 70 500 $ de plus qu'en 2020, soit une augmentation de 26 % afin de soutenir l'effort collectif de plus de 60 organismes dans notre milieu. En 2021, le conseil d'administration de la Caisse a aussi adopté le plan d'engagement de proximité auprès des membres de notre communauté afin de nous donner une vision sur 3 ans de notre engagement dans le milieu et de l'implication de la Caisse dans la communauté. Nous tenons d'ailleurs à remercier tous nos membres qui ont participé à nos consultations dans la dernière année pour nous aider à mieux comprendre vos besoins et vos attentes et ainsi soutenir les initiatives qui vous sont chères. Le plan d'engagement et de proximité nous a permis de déterminer des priorités d'investissement que voici. Premièrement, l'éducation, ensuite le développement économique, le développement durable et l'environnement, ainsi que les saines habitudes de vie et la santé. Voici comment se compose aussi le Fonds d'aide de développement du milieu de votre caisse au 31 décembre 2021. Nous avons donc débuté l'année avec 2 161 000 de disponibles en réserve. De ce montant qui a été voté à l'AGA 2021, un montant de 255 000 s'y est ajouté. Nous avons réellement versé net d'impôts 250 000 $ dans l'année 2021. Donc, ça porte le total à la fin de l'année à 2 166 000 $. Desjardins poursuit aussi, une fois de plus cette année, son engagement envers la communauté avec le Fonds Grand Mouvement, fonds constitué d'une enveloppe budgétaire de 250 millions, distribuée sur une période de 8 ans à la grandeur du Canada. Pour la région de la Naudière, c'est un montant de 1 662 286 qui a été remis à 6 organismes leur permettant de soutenir différents projets émergents au bénéfice du développement social et économique de leur milieu. Pour terminer cette portion de notre Assemblée, je vous invite maintenant à visionner la capsule vidéo sur le bilan de l'engagement de votre caisse dans son milieu. Monsieur Fortier, pour votre présentation. Nous poursuivons maintenant avec la période de questions au conseil d'administration. Tout au long de l'Assemblée, vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur certains sujets plus spécifiques. Nous voulons maintenant répondre à toute autre question ou recevoir les commentaires que vous souhaitez soumettre au conseil d'administration. Si le temps ne nous permet pas de tout le faire, nous assurons, si pertinent, un suivi dans les meilleurs délais. La parole est à vous. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'aide de la boîte de dialogue. Il n'y a pas de questions qui rentrent pour le moment.
Comme on n'a pas de questions, on va poursuivre, mais n'hésitez pas à, si vous avez des questions durant l'Assemblée, nous allons y répondre à la fin sans problème. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de passer à l'adoption des modifications au règlement intérieur de la Caisse. J'invite Mme Manon Servant à vous faire la lecture de la résolution spéciale vous expliquant la nature des modifications proposées. Merci, Mme la Présidente. Alors, attendu que le conseil d'administration de la Caisse souhaite augmenter le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe E universel de 1 à 5, de façon progressive sur 4 ans, à raison d'un poste par année, il est proposé et appuyé d'adopter par la présente résolution spéciale la modification suivante au règlement intérieur de la Caisse. Que l'annexe A, décrivant les groupes et prévoyant la répartition des administrateurs dans les 10 groupes, soit modifié de manière à, premièrement, diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe A et augmenter de 1 à 2 le nombre de postes dans le groupe E universel. Entrée en vigueur avant la période des élections prévues lors de l'Assemblée générale annuelle du 11 avril 2022. Deuxièmement, diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe D et augmenter de 2 à 3 le nombre de postes dans le groupe E universel, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Troisièmement, diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe B et augmenter de 3 à 4 le nombre de postes dans le groupe E universel, entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Et enfin, diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe C et augmenter de 4 à 5 le nombre de postes dans le groupe E universel, entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Le tout conformément au projet annexé à la résolution du conseil d'administration. Je vous laisse maintenant la parole, Madame la Présidente. Merci, Madame Servant. Certains d'entre vous s'interrogent possiblement sur les motifs ayant mené le conseil d'administration à vous proposer les modifications dont Mme Servant vient de vous faire la lecture. Pour remplir le plus adéquatement possible ces différents mandats, le conseil d'administration de votre caisse se doit de posséder, par l'entremise de chacun de ses membres, un large éventail de compétences. Nous avons constaté depuis quelques années que nous avons de la difficulté à susciter des candidatures pour nos postes d'administrateurs. Nous avons réfléchi à la question et en sommes venus à la conclusion que de nombreuses conditions doivent être rencontrées pour qu'une personne pose sa candidature. Premièrement, la personne doit évidemment être intéressée et avoir la disponibilité de temps nécessaire à la réalisation de son futur mandat d'administrateur. Deuxièmement, cette personne doit pouvoir contribuer par le biais de ses compétences personnelles à l'enrichissement des compétences collectives du conseil d'administration. Et finalement, elle doit de plus, dans le cas d'un poste d'administrateur de l'un des 4 secteurs exclusifs, soit habité ou avoir une place d'affaires dans ce secteur exclusif spécifique. Comme nous n'avons aucune prise sur les premières conditions à rencontrer, soit l'intérêt, la disponibilité et la compétence des futurs candidats, nous vous proposons d'agir sur la dernière, soit la problématique des secteurs exclusifs. En effet, nous pensons que le fait d'éliminer pour 4 des 12 postes présentement réservés à des secteurs exclusifs, cette notion d'exclusivité pourrait permettre à plus de personnes compétentes, disponibles et intéressées, peu importe leur lieu de résidence ou de place d'affaires, de présenter leur candidature et ainsi contribuer à l'enrichissement des compétences de votre conseil d'administration. Nous avons maintenant besoin d'une personne qui propose et une personne qui appuie l'adoption de la résolution spéciale touchant les modifications au règlement interne de la Caisse. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Quelqu'un en fait-il la proposition? Quelqu'un appuie-t-il cette proposition? Nous n'avons pas de commentaires, pas de questions, Madame la Présidente. Merci. Je vous informe que Mme Danielle Yvon propose d'adopter la résolution spéciale et qu'elle est appuyée par Mme Nathalie Lévesque. Nous sommes maintenant prêtes à voter. Cette résolution requiert une adoption aux 2/3 des voix exprimées par les membres de plein droit. Qui vote pour, qui vote contre, à vous d'appuyer sur le bouton de votre choix. La proposition
proposition d'adopter la résolution spéciale apportant des modifications au règlement intérieur de la Caisse est adoptée. Étant donné que vous venez d'approuver une modification concernant la composition du conseil d'administration, nous devons adopter un règlement interne de rotation pour permettre qu'un tiers à une unité près des membres du conseil d'administration soient remplacés annuellement conformément à cette modification. J'invite Mme Manon Servant à vous en faire la lecture et à vous expliquer la nature des modifications proposées. Merci. Si la modification concernant l'annexe A du règlement intérieur de la Caisse visant à diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe A et augmenter d'un à deux le nombre de postes dans le groupe E universel, entrée en vigueur avant la période des élections prévues lors de l'Assemblée générale annuelle du 11 avril 2022, de diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe D et augmenter de 2 à 3 le nombre de postes dans le groupe E universel, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe B et augmenter de 3 à 4 le nombre de postes dans le groupe E universel, entrée en vigueur au 1er janvier 2024, diminuer de 3 à 2 le nombre de postes d'administrateurs dans le groupe C et augmenter de 4 à 5 le nombre de postes dans le groupe E universel, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, est adopté tel que présenté. Le règlement intérieur relatif à la rotation des administrateurs doit également être adopté. Il est proposé de soumettre à l'Assemblée générale annuelle le règlement intérieur suivant, relatif à la rotation des administrateurs de la Caisse, ayant pour effet d'abroger toute règle ou tout règlement antérieur. Le conseil d'administration est composé de 13 administrateurs. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans. Afin de permettre la rotation, faisant en sorte qu'un tiers à une unité près, des administrateurs au conseil d'administration soient remplacés chaque année, la rotation des administrateurs de la Caisse se fera selon le cycle suivant. Au 31 décembre 2022, nombre d'administrateurs 4, un poste provenant du groupe A, un poste du groupe B, un poste du groupe C et un poste du groupe E universel. Au 31 décembre 2023, 5 administrateurs, un poste provenant du groupe A, un poste du groupe C, un poste du groupe D et 2 postes du groupe E universel. Au 31 décembre 2024, 4 administrateurs, un poste provenant du groupe B, un poste du groupe C, un poste du groupe D et un poste provenant du groupe E universel. Le premier cycle débute au 1er janvier de l'année financière 2023 et un autre lui succède à tous les 3 ans. Le présent règlement a pour effet d'abroger toute règle ou tout règlement antérieur relatif à la rotation des administrateurs de la Caisse et entre en vigueur dès son adoption, avant la période des élections prévues lors de l'Assemblée générale annuelle du 11 avril 2022. Je vous cède à nouveau la parole, Madame la Présidente. Merci, Madame Servant. Nous avons maintenant besoin d'une personne qui propose et une personne qui appuie la résolution spéciale concernant le règlement intérieur de rotation de la Caisse. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Quelqu'un en fait-il la proposition? Quelqu'un appuie-t-il cette proposition? Aucune question, aucun commentaire, Madame la Présidente. Merci. Je vous informe que Mme Marie-Christine Tellier propose l'adoption de la résolution spéciale et qu'elle est appuyée par M. Paulin-Antoine Nollet. Nous sommes maintenant prêts à voter. Je vous rappelle que cette résolution requiert une adoption aux 2/3 des voix exprimées par les membres de plein droit. Qui vote pour, qui vote contre, à vous d'appuyer sur le bouton de votre choix. La proposition d'adopter le règlement interne de rotation est adoptée. Notre Assemblée vise, entre autres, à permettre le versement des ristournes individuelles et à la collectivité. Voici une capsule vidéo qui vous présente cet élément distinctif de notre coopérative. La ristourne, une histoire de partage. La ristourne individuelle a été créée pour redonner aux membres qui, comme vous, nous font confiance et nous choisissent pour répondre à leurs besoins financiers. Nous l'avons fait évoluer au cours des dernières années pour la rendre encore plus accessible et plus équitable. La ristourne, c'est aussi un moyen de soutenir des projets rassembleurs qui bénéficient à tout le monde. C'est ce qu'on appelle ristourne à la communauté.
Commençons par la ristourne individuelle. Elle est composée de deux volets. La ristourne volume, qui reconnaît la hauteur de votre participation financière dans votre coopérative, et la ristourne produit, qui reconnaît votre détention de produits dans chacune des grandes familles. Comme son nom l'indique, la ristourne volume est un montant personnalisé basé sur les volumes que vous détenez dans les quatre familles de produits. Compte, prêt, marge et carte de crédit, placement et investissement, et assurance. Son mode de calcul est basé sur les soldes moyens maintenus durant l'année dans chacune des familles de produits, les primes d'assurance et la somme des achats nets effectués avec une carte de crédit au cours de l'année. Ainsi, pour chaque tranche de 1 000 $, un montant est ajouté à votre ristourne volume. La ristourne produit, elle, est un montant maximal de 50 $ versé aux membres qui détiennent au moins un produit dans chacune de nos grandes familles au cours de l'année. Pour les membres de 30 ans et moins, détenir un produit dans 3 des 4 familles suffit pour obtenir cette ristourne. La ristourne individuelle, c'est notre manière de vous remercier de votre engagement envers Desjardins. La ristourne, c'est aussi un moyen de soutenir des initiatives locales qui améliorent la qualité de vie des collectivités. On parle alors de ristourne à la communauté. C'est la mission du Fonds d'aide au développement du milieu, de votre caisse, d'appuyer les projets qui vous tiennent à cœur pour nous aider à bâtir ensemble un avenir plus solidaire. Cette année, au total, près de 387 millions de dollars seront versés en ristourne individuelle et près de 53 millions en ristourne à la communauté à travers l'ensemble des caisses Desjardins. Parce que la ristourne, c'est avant tout une histoire de partage. Nous sommes présentement rendus à la présentation des scénarios en vue de la période de votation. Voyons maintenant comment le rapport annuel 2021 et l'évolution de la ristourne se traduisent dans les scénarios pour lesquels vous serez appelés à voter après les présentations de ce soir. Toute la documentation de référence est d'ailleurs disponible en cliquant sur le bouton « Documents » sous la fenêtre vidéo. Elle est également disponible sur le site Internet de la Caisse ou sur demande auprès de votre caisse. Il est important de préciser que les scénarios qui sont recommandés par votre conseil d'administration sont ceux que nous estimons le plus avantageux pour l'ensemble de nos membres et sont totalement conformes aux encadrements applicables. Je cède à nouveau la parole à notre directeur général. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous présente maintenant le scénario proposé pour la répartition des excédents annuels en vue de la votation. À partir donc des excédents nets après ristourne aux membres de 11 428 000, nous devons réaliser un ajout réglementaire qu'on appelle les autres éléments du résultat global de 5 555 000 qui comprend, à titre d'exemple, notre obligation de versement aux différents régimes de retraite. Il faut par la suite retrancher ce qu'on appelle aussi des virements réglementaires de l'ordre de 9 751 000, composés aussi, à titre d'exemple, de virements à la réserve pour plus-value du fonds de participation ou des instruments dérivés. En 2021, votre caisse a réellement versé de son fonds d'aide un total net d'impôt de 250 000 $ pris à même la réserve pour ristourne éventuelle. En ce qui concerne le projet de ristourne individuelle proposé par le conseil d'administration de votre caisse pour l'année 2021, c'est un montant net des impôts de 1 482 000 qui sera aussi puisé à même la réserve pour ristourne éventuelle. On doit payer symboliquement des intérêts sur des parts de ristourne et des parts sociales pour un total de 1 000 $. Puis on cite aussi des ajustements comptables des versements de ristourne de l'an passé pour des membres non éligibles qui ont été reversés à la ristourne collective un montant de 12 000 $. Afin de respecter la norme réglementaire, nous devons nous assurer d'avoir toujours à notre possession, dans nos réserves pour ristourne éventuelle, 4 fois le montant du versement de la ristourne et de l'alimentation du fonds d'aide de 2021. C'est donc un montant de 2 787 000 qui nous est obligé de reverser à la réserve pour ristourne éventuelle pour se donner 4 ans de jeu en cas de besoin. Nous venons donc compléter cette répartition des excédents par le versement à la réserve de la caisse, de la réserve générale de la caisse, d'un montant résiduel de 6 164 000. Et je vous rappelle que c'est simplement pour s'assurer de préserver la croissance future, sinon on ne pourrait pas en réaliser. Ceci complète donc la présentation du scénario en vue de la votation. Je vous redonne la parole, Madame la Présidente. Merci, M. Fortier. Maintenant que vous connaissez notre recommandation, nous avons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur parmi les membres habilités à le faire. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
sur cette proposition? Quelqu'un en fait-il la proposition? Quelqu'un appuie-t-il cette proposition? Aucun commentaire ou aucune question, Madame la Présidente. Merci. Je vous informe que Mme Marie-Christine Tellier propose la recommandation de partage des excédents et qu'elle est appuyée par M. Serge Paulin. Merci. Cette proposition de l'Assemblée recommandée par le Conseil d'administration concernant la répartition des excédents annuels sera soumise au vote après les présentations et discussions de ce soir. Je vous reviendrai plus tard avec les précisions sur la façon de voter au cours des 4 prochains jours. Nous voilà maintenant rendus à vous présenter la recommandation du Conseil d'administration pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement d'une somme au Fonds d'aide au développement du milieu et des taux de ristournes. Je cède à nouveau la parole à notre directeur. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous êtes à même de le constater, le montant du versement du projet de ristournes 2021 est de l'ordre de 2 280 725 $. Le montant proposé pour le versement au fonds d'aide, une fois les ajustements requis apportés en tenant compte des membres non éligibles à la ristourne pour 2021, est de 283 189 $. Pour 2021, nous vous proposons un taux de ristourne volume de 61 sous par 1 000 $ de volume d'affaires. Le taux de ristourne volume est identique autant pour les membres particuliers que les membres entreprises, ainsi que pour ceux qui détiennent de l'épargne ou du crédit. Concernant la ristourne volume assurance, le taux proposé est de 23 $ par 1 000 $ de primes payées. Et notez que le taux est établi par la Fédération, de même que le montant de 50 $ touchant la ristourne produit. Donc, en résumé, pour les montants de ristourne volume, en considérant l'adoption des taux proposés, les versements seraient les suivants. Au niveau des comptes opérationnels, nous parlerions de 272 000 $ de ristourne, l'épargne et les placements 303 000, le fonds de placement Desjardins 112 000, les prêts et marges de crédit 527 000, l'assurance 290 000, la ristourne sur les cartes de crédit 112 000 et finalement, pour la ristourne produit, 381 000. Cela vient résumer la proposition du versement de ristourne pour l'année 2021 de notre caisse. Merci, M. Fortier. Maintenant que vous connaissez notre recommandation, nous avons besoin d'une personne qui propose et d'une personne qui appuie parmi les membres de plein droit. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Quelqu'un en fait-il la proposition? Quelqu'un appuie-t-il cette proposition? Madame la Présidente, aucun commentaire qui est entré, aucune question non plus. Merci. Je vous informe que M. Claude Mousseau propose la recommandation de versement et qu'il est appuyé par Mme Ginette Saint-Pierre. Cette proposition concernant le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et le versement d'une somme au Fonds d'aide au développement du milieu et des taux de ristournes sera soumise au vote après les présentations et discussions de ce soir. Avant d'ouvrir la période d'élection, voici une courte vidéo présentant la démarche du profil collectif, le processus d'appel de candidature et le rôle du conseil d'administration. L'engagement personnel fait-il partie de vos valeurs? C'est aussi l'une des nôtres et des membres qui forment le conseil d'administration de votre caisse. Les administrateurs et administratrices sont des gens comme vous. Ils sont membres des Jardins et proviennent de différents horizons et secteurs d'activité. Collectivement, ils possèdent des connaissances, des expériences et des qualifications professionnelles et personnelles complémentaires pour former un groupe multidisciplinaire. Chaque automne, le CA de chaque caisse détermine ses besoins en termes de compétences et de représentativité afin de maintenir au sein du Conseil toutes les compétences requises collectivement et d'être le reflet des membres et du milieu dans lequel la caisse évolue. De la mi-janvier à la mi-février, les caisses lancent un appel de candidature en spécifiant les critères des profils recherchés. Tous les membres éligibles peuvent alors déposer leur candidature et c'est lors de l'Assemblée générale en avril que les membres de la caisse élisent leur nouveau représentant pour un mandat de 3 ans. Que font les membres du CA d'une caisse? Ils se réunissent mensuellement afin d'échanger entre eux et avec la direction générale pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt des membres et du mouvement. Pour les soutenir dans leurs responsabilités, ils ont accès à un programme d'accueil et d'intégration ainsi qu'à un parcours de formation. Les membres du Conseil peuvent aussi s'impliquer dans différents comités formés par le CA.
Globalement, il s'assure de répondre aux besoins des membres et de leur milieu, contribue à différents projets qui améliorent la vie des personnes et des collectivités, assure le suivi de la performance, de la gestion de risque et de la conformité des opérations, embauche et évalue la performance de la direction générale et veille au bon fonctionnement du conseil d'administration. Ils peuvent aussi être appelés à représenter la Caisse dans des événements ou auprès d'organismes du milieu. Si vous aussi désirez vous engager et participer à la vie démocratique du plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord, demeurez à l'affût du prochain appel de candidature de votre caisse. Une expérience enrichissante et gratifiante vous y attend. Pour plus d'informations, visitez desjardins.com/ca-caisse ou renseignez-vous auprès de votre caisse. Nous sommes maintenant rendus à la nomination des officiers pour la période d'élection. Pour la période d'élection, j'agirai comme présidente d'élection. Étant donné que le secrétaire est lui-même candidat, le secrétaire adjoint, M. Éric Fortier, agira comme secrétaire d'élection tel que le prévoit le règlement intérieur de la Caisse. À la suite de l'appel de candidature lancé durant la troisième semaine de janvier, je demande maintenant à M. Paulin-Antoine Nollet, président du comité de mise en candidature, de venir vous présenter le rapport du comité. Bonsoir à tous, Madame la Présidente. Au nom de mes collègues du comité de mise en candidature, j'ai le plaisir de vous présenter notre rapport en vue de l'élection des membres du conseil d'administration. Conformément à la loi des coopératives de services financiers et le règlement intérieur de la Caisse, l'appel de candidature a été diffusé pour une durée de 22 jours à partir du 20 janvier 2022, de la façon suivante. Affichage dans tous nos établissements, diffusion sur nos canaux virtuels, notamment notre microsite et notre page Facebook, ainsi que de la publicité dans le journal local. Pour l'Assemblée générale de cette année, 4 postes sont à combler et le conseil d'administration est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants. Des personnes ayant des compétences dans l'un ou l'autre des domaines suivants, soit expérience membre-client, coopération, gouvernance et éthique. Les compétences complémentaires suivantes seraient aussi un atout. Droit et déontologie, communication et technologie de l'information. Une femme et 3 hommes afin de maintenir la parité. Des membres appartenant au groupe d'âge suivant, soit une personne du groupe d'âge 18-34 ans, une personne du groupe d'âge 50-64 ans et 2 personnes du groupe d'âge de 65 ans et plus. Des membres appartenant bien sûr au groupe A, soit Lanoraie-Sainte-Élisabeth-Saint-Thomas, groupe B, Berthierville, la Visitation de l'Île-du-Pas, Saint-Ignace-de-Loyola et Sainte-Geneviève-de-Berthier, groupe C, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert et Saint-Norbert, et groupe D pour la municipalité de Lavaltrie. À l'issue de la période d'appel de candidature, la Caisse a reçu 5 candidatures qui répondent aux conditions et aux qualités requises par la loi, le règlement intérieur et le Code de déontologie de Desjardins. Voici maintenant un résumé des personnes candidates éligibles à la fonction d'administrateur cette année. Je vous rappelle qu'un document intitulé « Présentation des personnes candidates » est disponible sur le site Internet de la Caisse. Vous pourrez consulter leur profil et lire leur texte de motivation à convoiter un poste au conseil d'administration afin de vous aider à faire un choix éclairé lors des élections. Ainsi, pour le groupe A, Mme Manon Servant, proposée par Claudie Lajeunesse. Pour le groupe B, M. André Langlois, proposé par Maryse Bergeron. Ainsi que Mme Francine Lebeau, proposée par Germain Labonté. Pour le groupe C, Mme Louise Lépine, proposée par Patrick Pilon. Et pour le groupe D, M. Yvon Mousseau, proposé par Simon Cournoyer-Roy. Ceci met fin à la présentation du rapport du comité de mise en candidature. Je vous remercie tous et toutes et cède la parole à Mme la Présidente. Mme la Présidente, à vous la parole. Merci, M. Nollet. Pour cette élection, nous avons 3 candidats élus par acclamation. Comme nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler pour 3 groupes, je peux donc dès maintenant déclarer élus au poste de membre du conseil d'administration les personnes candidates suivantes. Pour le groupe A, comme vous avez adopté la modification au règlement intérieur de Caisse voté précédemment, Mme Manon Servant est élue par acclamation pour le groupe E universel. Pour le groupe C, Mme Louise Lépine. Pour le groupe D, M. Yvon Mousseau.
Félicitations aux nouveaux et nouvelles élus. Afin de permettre à l'Assemblée de mieux connaître les trois personnes élues par acclamation, nous leur avons demandé de préparer une brève présentation d'un maximum de 2 minutes. Par ordre alphabétique, nous débuterons avec Mme Louise Lépine. Bonsoir, chers membres et clients de notre caisse Desjardins d'Autry. J'avoue être émue et heureuse ce soir d'être en réélection. C'est avec un bel et grand enthousiasme que je poursuivrai mon rôle en tant que membre du CA de notre caisse. Je tiens d'abord à vous dire merci. Merci de continuer à me faire confiance en tant que représentante du groupe C de notre caisse. Soyez assurés que j'y mettrai le meilleur de moi-même, que je participerai à toutes les formations à venir nécessaires, aux séances d'information et aux webconférences suggérées. Avec rigueur, je préparerai chacune des rencontres, vous priorisant d'abord, afin que notre caisse continue d'être la première dans le cœur de vous tous. Je profite de cette tribune pour vous affirmer que le travail avec l'équipe du CA, c'est un plaisir. Tout se passe dans la cordialité, la bonne entente, l'écoute et le respect de chacune et chacun. Pour nos décisions, vous êtes au cœur de nos préoccupations et tenons à ce que chacune de nos communautés puisse recevoir équitablement notre appui dans les différents projets que vous nous proposez. Malgré les temps difficiles que nous avons traversés et qui se poursuivent, vous avez constaté que Desjardins a su honorablement tirer son épingle du jeu. Notre caisse d'Autry a aussi suivi cette remarquable tendance et c'est à vous tous que nous le devons. Merci chaleureusement de votre confiance et de votre fidélité et merci encore de me garder avec vous pour un autre mandat. Bonne soirée à tous. Merci, Mme Lépine. J'appelle maintenant M. Yvon Mousseau à se présenter. Bonsoir. Si j'ai décidé de solliciter un renouvellement de mandat sur le conseil d'administration de notre caisse, c'est principalement parce que je crois sincèrement être en mesure de contribuer à la réalisation des différents mandats qui nous sont confiés. C'est également parce que je crois toujours que notre caisse peut et doit être un levier de changement et ainsi contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie, non seulement des membres et clients de Desjardins, mais également de l'ensemble des résidents et résidentes des municipalités que nous desservons. C'est ce qui constitue la base de mon engagement dans notre mouvement coopératif. Je vous remercie donc de la confiance que vous me témoignez depuis maintenant près de 40 ans au sein des différents conseils de notre caisse. Bonne fin de soirée à tous. Merci, M. Mousseau. J'appelle maintenant Mme Manon Servant à venir se présenter. Bonsoir à tous. Je me présente, Manon Servant, demeurant à Lanoraie depuis 8 ans et auparavant de Saint-Thomas. Administratrice chez Desjardins depuis plus de 20 ans, je suis ravie de continuer à vous représenter. Mon implication chez Desjardins est importante pour moi. Je vous remercie de votre confiance. Bonne fin de soirée. Merci, Madame Servant. En complément à cette élection par acclamation, un poste réservé à un groupe doit faire l'objet d'un vote en différé. Avant de procéder à l'élection des membres du conseil d'administration, nous avons demandé à chacune des personnes candidates de préparer une courte présentation orale d'un maximum 4 minutes. Les présentations seront chronométrées et par souci d'équité envers les personnes candidates, je devrai interrompre la présentation des personnes qui dépasseront le temps alloué. Cette portion de l'Assemblée sera disponible en réécoute sur le site Internet de la Caisse. De plus, un document de présentation de toutes ces personnes est également disponible au même endroit afin de vous permettre de faire un choix éclairé. Nous avons deux personnes qui viendront présenter brièvement leur candidature. Par ordre alphabétique de nom de famille, nous débutons par M. André Langlois.
Merci, Madame la Présidente. Alors, bonsoir, je me présente, je suis André Langlois, résident de Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est avec plaisir que je soumets ma candidature afin d'avoir le privilège de joindre le conseil d'administration de la Caisse des Jardins d'Autré. Mon parcours a évolué dans le milieu coopératif et a été largement orienté vers la gestion et le service auprès des membres. Titulaire d'un baccalauréat en bioagronomie de l'Université Laval et membre de l'Ordre des agronomes du Québec, j'ai évolué pour plus de 40 ans au sein du réseau des coop agricoles, dont 23 ans en tant que directeur général de la coop Profidor, maintenant Novago Coopérative Agricole. Au cours de ces années, j'ai réalisé la mise en place d'une stratégie de croissance qui s'est mesurée par une augmentation importante du chiffre d'affaires, passant de 60 millions à 200 millions et par des résultats financiers enviables. Gestionnaire généraliste de coopérative agricole, je me suis démarqué par ma grande facilité à développer et entretenir des relations d'affaires positives et durables. Ma facilité de communiquer, ma capacité d'écoute, mon leadership ainsi que mon sens de l'organisation me caractérisent. La facilité de... Étant une personne avec beaucoup de tact et un bon sens politique, je sais faire preuve de jugement et m'exprimer de façon diplomatique. Ainsi, j'ai un grand sens de l'analyse et une excellente capacité à gérer des priorités. J'utilise une gestion axée vers les résultats et j'ai un souci constant de bien servir les membres et clients. Au fil des années, j'ai siégé sur de nombreux conseils d'administration et encore actif sur trois d'entre eux. Mon expérience, mes qualités d'homme d'affaires et d'action me permettent de croire que je peux apporter une contribution positive au sein du CA de notre Caisse des Jardins d'Autré. Ayant fait carrière entièrement dans le milieu coopératif agricole, mes priorités seront axées sur la place qu'on doit accorder aux membres. En terminant, comme dit un vieux dicton, demandez et vous recevrez. Alors, je vous demande qu'au cours des prochains jours, d'aller voter sur le site d'accéder et surtout de voter pour moi. Merci. Merci, M. Langlois. J'appelle maintenant Mme Francine Lebeau à venir se présenter. Bonsoir. Je siège au conseil d'administration de la Caisse depuis 7 ans. J'ai suivi mes formations, je connais bien les fonctionnements de la Caisse et du mouvement des jardins. J'ai appris beaucoup et je veux être encore utile en mettant à profit mes compétences et mon expérience. J'ai été directrice à la commission scolaire des Samar et à Berthier-Norjoli pendant près de 20 ans, dont 7 ans à titre de directrice générale adjointe. Titulaire d'une maîtrise en administration scolaire, je possède plusieurs des compétences recherchées par la Caisse, et notamment en gouvernance et éthique. Je suis particulièrement sensible aux enjeux de parité homme-femme, de diversité culturelle et de reddition de comptes. J'ai participé à plusieurs comités et CA dans ma carrière, tels que la Myriade durant 10 ans, c'est un organisme en déficience intellectuelle et autisme, et le CREVAL, Comité régional de valorisation de l'éducation, pour lequel j'ai été membre fondatrice et présidente pendant 4 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je m'implique dans différents projets à Berthierville. Ainsi, j'ai été bénévole à la bibliothèque et depuis 2013, à Déclic, un groupe communautaire en alphabétisation, formation à l'emploi et prévention du décrochage scolaire. Je trouve important de connaître mon milieu. Mon apport au CA de la Caisse s'en trouve ainsi bonifié. Je suis une femme de vision et d'action, capable d'écoute et centrée sur les résultats et les solutions. Parmi mes valeurs, l'éducation demeure ma passion. À cet égard, je considère que notre Caisse et le mouvement des jardins en tiennent compte dans les priorités d'investissement. Vous en tenez donc compte comme membre. Par exemple, en soutenant des projets favorisant l'éducation dans plusieurs dimensions, comme les bourses aux élèves, les saines habitudes de vie, l'éducation économique, la culture, l'environnement. Je choisis ma Caisse de Dautré comme institution financière car j'apprécie son offre de produits, la qualité de son personnel et son implication dans notre région. Avec le Fonds d'aide au développement du milieu,
constituée de notre ristourne collective, notre caisse fournit un levier financier pour faire naître des projets qui touchent nos gens, qui peuvent faire rêver les jeunes générations. Et pour moi, c'est une des forces du mouvement des jardins et du modèle coopératif. Je demeure convaincue que ce modèle d'institution financière est plus pertinent que jamais pour affronter ensemble les enjeux économiques de notre société et je veux y participer activement. Je sollicite donc un troisième mandat. Ce serait un atout de continuité pour le conseil d'administration et cela me permettrait de promouvoir mes valeurs d'inclusion, de réussite éducative, de justice sociale et de développement de nos communautés. Alors, si ces préoccupations vous rejoignent, je vous invite à soutenir ma candidature. Merci. Merci, Mme Lebeau. Ceci met fin à la présentation des personnes candidates. Voici maintenant quelques précisions sur l'exercice du vote et sur les propositions de partage des excédents. Vous serez appelés à voter sur les éléments suivants, soit la répartition des excédents annuels, les ristournes, le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, le versement d'une somme au Fonds d'aide au développement du milieu et les taux de ristournes, ainsi que l'élection des administrateurs. Je vous rappelle que seuls les membres de plein droit pourront voter. La réécoute de notre assemblée de ce soir sera possible par le biais du bouton « Mon vote » dans « Accéder » ou du lien accessible sur le site Internet de la Caisse. Même si des membres n'ont pas assisté à l'assemblée d'aujourd'hui, ils pourront ainsi voter en toute connaissance de cause. Nouveauté cette année, en plus de la réécoute complète de l'Assemblée, vous aurez accès à la section de présentation des personnes candidates grâce à un onglet qui permettra d'écouter uniquement cette portion de l'Assemblée. Toute la documentation de référence est également disponible sur le site Internet ou sur demande auprès de la Caisse. Vous avez déjà accès au rapport annuel et financier complet, de même qu'à la revue annuelle 2021 qui met en valeur les réalisations de la Caisse. Pour voter, rendez-vous sur Accéder et cliquez sur le bouton « Mon vote ». Des consignes claires seront disponibles pour enregistrer vos votes. Vous pouvez également accéder à la votation par le biais du site Internet de la Caisse et même sur la page d'accueil du desjardins.com. Pour être habilité à voter, vous devez d'abord être inscrit au service Accéder. Vous pouvez le faire en contactant votre caisse. Notre plateforme de votation nous permet de confirmer que vous répondez bien aux qualités requises en tant que membre de plein droit. Dès minuit ce soir, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu'à 23h59, le 15 avril 2022. Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu'au moment du dévoilement. 24 à 48 heures ouvrables après la fin de la période de votation, soit le mardi 19 avril, les résultats des votes seront alors publiés sur le site Internet de la Caisse et disponibles auprès de votre caisse. Ceci mettra officiellement fin à l'Assemblée générale annuelle de ce soir, à moins d'un vote négatif. La Caisse publiera également les résultats par le biais d'un communiqué de presse et sur les médias sociaux afin d'en informer le maximum de membres. Pour le partage des excédents, comme j'ai précisé plus tôt, les propositions reçues sont conformes au scénario recommandé par votre conseil d'administration. Un vote pour ces deux propositions s'avère le scénario le plus avantageux et totalement conforme aux encadrements. Toutefois, si jamais il y avait un vote négatif sur les propositions, vous seriez alors invité à participer à la suite de l'Assemblée à une autre date afin que de nouveaux scénarios soient proposés pour une nouvelle période de votation. Lorsque les résultats des votes seront publiés, vous serez invité à participer à la reprise de l'Assemblée à une nouvelle date. Votre conseil d'administration et la direction générale prépareront de nouveaux scénarios de ristourne. Après cette deuxième partie d'assemblée, il y aura une nouvelle période de votation de 4 jours. À l'issue de cette période, les résultats des votes seront dévoilés pour mettre fin à l'assemblée, à moins d'un vote négatif. Comme je l'ai précisé tantôt, la publication des résultats de vote mettra officiellement fin à notre assemblée générale, à moins d'un vote négatif, auquel cas le processus devra être repris une seconde fois. Nous innovons cette année en ce qui concerne les prix de présence. En effet, un bouton « Participer au tirage » est mis à votre disposition sur la plateforme de diffusion de votre assemblée. Sous la supervision des scrutatrices,
Nous procéderons au tirage au sort de 10 prix en argent de 75 $ chacun. Les gagnants seront contactés personnellement et nous annoncerons leur nom sur le site Facebook de la Caisse selon le consentement reçu. Je vous remercie de votre participation à cette seconde Assemblée générale annuelle virtuelle. Nous comptons sur vous pour faire de la Caisse de Dautré une coopérative dont nous continuerons d'être fiers. Merci à l'avance de votre confiance. Félicitations aux administrateurs élus par acclamation et à celui ou celle qu'il sera à l'issue de la votation en différé. Notre Caisse a besoin de gens comme vous pour enrichir les projets. Merci à ceux qui m'accompagnaient ce soir pour le bon déroulement de l'Assemblée. J'en profite finalement pour remercier tous les administrateurs et personnel de la Caisse pour leur engagement au quotidien afin de toujours mieux vous servir. Bonne fin de soirée, bon vote, surveillez les prochaines communications.